Salut. Oh, l'action, ça doit faire allez, 3 mois et demi à peu près que je n'avais pas fait. Je suis allée aujourd'hui pour différentes choses, des choses pour la maison, l'entretien, faire un petit peu ma curiosité, voir s'il y avait des arrivages. Et aussi, j'avais besoin de quelques éléments pour faire des futurs DIY. J'ai trouvé certaines choses, d'autres non, mais c'est pas grave. Je pourrais aller dans d'autres enseignes. Il y a de tout. Voilà. J'ai 2 sacs. Une panière, bah, vous l'avez peut-être vu en miniature. On est parti. Alors, je commence avec, je cherchais des tongs, mais tout ce qu'il y a de plus classique pour les customiser. Et j'avais besoin surtout que ce soit comme ça. Vous voyez, qu'on puisse enlever, déclipser les petits bouts. C'était le seul modèle déjà à ma taille. Un petit peu, on va dire, je sais pas ce que c'est. Panthère, jungle. C'est pas grave, je m'adapterai, donc je vais les customiser. Je vais en faire des petites chaussures d'été. J'espère que ça va fonctionner. C'est vrai que je voulais soit des toutes blanches, soit des, idéalement des toutes noires, ça aurait été cool. On va au moins tester, voir si ce que je compte faire, ça fonctionne. Et après, auquel cas, eh bien, j'en rachèterai. Je pense que ça va se trouver assez facilement. Sinon, si ça vous intéresse, il y a quelques paires de tongs. Et moi, je les ai trouvées à l'entrée. Il y a marqué les promos de la semaine. Ça doit être un truc comme ça. Ou les affaires de la semaine. Voilà. Ensuite, alors, c'était pas prévu. C'était également dans les affaires de la semaine. Ladies Trousers. Il s'agit d'un pantalon. Alors, eux, ils disent que je pense que c'est un pantalon relax que tu mets pour te promener. Moi c'est vraiment le pantalon, j'en cherche un relax mais pour la maison. C'est une matière qui est super agréable. Vous voyez, je m'en sers soit en pantalon pyjama ou bien pour traîner un petit peu. Les motifs sont plutôt jolis hein. Je ne l'ai pas essayé évidemment. C'est 36-38. Moi je fais du 36, parfois du 38, donc je pense que ça va être pas mal. Je vais voir si je peux vous l'essayer, sinon je vous montrerai dans un prochain vlog. C'est pas sérieux, hein, j'ai oublié de vous donner les prix. Premier article, les tongs, elles sont à 98 centimes. C'est exactement ce que je voulais en termes de prix parce que comme je vais carrément les changer. Ceci, femme, pantalon, 4,95 €. Et il me semble, ouais, il y avait pas énormément de modèles différents. Il y avait celui-ci et je dirais des bêtises, mais bon, il y avait 2 autres modèles différents. Je pioche vraiment comme ça me vient. Alors, ça c'est, on va dire, dans le rayon animalerie, le rayon fleurs, enfin fausses fleurs, petits pots. Et à chaque fois, franchement, si on fouille bien, il y a des trucs super sympas. Je suis en train de me rendre compte que la caméra n'est pas super droite, mais c'est un peu trop tard pour la remettre là, non? À se tenter. Ouais, c'est bien. Alors, donc, il s'agit d'un petit kit de fausses fleurs, mais elles ont l'air quand même sympas. C'est juste les fleurs. Il te montre un petit peu les petits pots qui peuvent être sympas. Moi, j'en ai plein. Des petits pots comme ça. Donc, ouais, je vais tenter des choses. Je vais vous montrer. Et notamment avec des pots soit tout blanc, soit un petit peu effet, on va dire, pierre ou marbre. C'est très sympa. Combien coûte ce kit créatif? C'est pas ça. Les plantes grasses en boîte, 6 pièces, 2,72 €. Ah, c'est cher quand même, je trouve. Je pensais que ça allait être un petit peu moins. Des cotons-tiges, on s'en fout. Voilà, ça c'est pour faire aussi quand tu as du vernis. Pour enlever l'excédent souvent. Coton-tige, 79 centimes. Ensuite, toujours dans là où il y a les fleurs, tout ce que je vous ai dit, les petits pots. La caméra s'est de nouveau mise de travers. Bon, je laisse. C'est de la corde. Peut-être pour une création. Mais même si c'est pas pour une création, c'est toujours très pratique. Elle est très jolie pour mettre autour d'éléments. Tu peux la coller, tu peux mettre même sur des habits. Si jamais ça vous intéresse, cette corde. Corde sur bobine, 1,49 €. Et nous avons 10 mètres. Ceci, c'était dans loisirs créatifs, des petites pampilles, des pompons dorés, noirs, mix, tasselles. Il y a 8 pièces, pareil. Pour décorer certains éléments, ça peut être du textile, ça peut être tout simplement de la déco, ça peut être sur des coussins, c'est très mignon. 79 centimes toujours. J'ai pris ceci, des lingettes, j'aime bien les utiliser pour nettoyer tout ce qui est pinceau, mes crayons, mon maquillage en général, je les mets sur ma coiffeuse. C'est de la... Désolée, c'est la marque Baby Needs, premium qualité, sensitive. Ouais. Bon, je vous dis, moi je ne le mets pas trop sur les amis, ça va aller sur mes pinceaux après, mais... Elle coûte 79 centimes. Je fais vite la colle, j'en ai besoin. Colle textile, elle est pas mal, hein, textile glu. J'ai déjà utilisé. Lavable à 40 degrés. Ah ouais.
et c'est la marque Cré Action. 99 centimes la colle. Un kit pour faire des glaces à l'eau. Ça, c'est Eric qui m'a dit ah, j'ai envie de me faire des petites glaces à l'eau. Comme ça, il y a pas moins de sucre. Mais moi, j'avais déjà testé, c'était pas terrible. Pas avec ces modèles-là, hein, mais c'était ce que j'en avais, ce que j'avais mis dedans qui était pas terrible. Mais sinon, il est mignon, hein, le petit kit. Bon, on testera. Combien coûte cet ensemble? Le moule pour 4 sucettes glacées, 1,59€. Nous avons ces pochoirs en forme de cœur, mais pas que. On a tous les motifs qui se trouvent derrière et je trouve ça très pratique. Quand, pareil, tu fais des créations avec ton petit pinceau, ça délimite bien. C'est toujours bien et je pense que ça coûtait 75 centimes les pochoirs. Ensuite, ce panier tellement mignon qui fait bohème, là, avec ça, c'est ce qui fait tout le charme. Season style, décoration. Il n'y en avait pas beaucoup. J'ai sauté dessus. Alors, il est à, il me semble, 8 euros. Ouais, c'est ça. 8,79 €. Je trouve que voilà, ça vaut le coup. Il est vraiment beau. Ensuite, nous avons ce petit sac. Ils ne font plus les sacs en plastique. C'est fini. J'avais besoin de ceci que j'ai jeté. Une brosse pour madame toilette. Elle est design, elle est belle. Alors, ce modèle-ci, cette forme-ci, existe en gris, noir et en blanc. Elle est belle, hein. Et il y avait une en plastique, mais moche, enfin, tout ce qu'il y a de plus plateau, pas terrible. Brosse à toilette avec support en céramique, c'est ça. 3,99 € pour aller dans les toilettes ou la salle de bain. Elles sont belles, hein. Un peu mat, j'ai pris gris anthracite, donc foncé. Il y avait noir, il y avait blanc. Je trouvais que, parce que si j'allais dans les toilettes, je trouvais que ça allait bien, les deux ensemble. Combien coûtent ces petites poubelles? Pareil, on avait des modèles beaucoup plus classiques, pas très glamour, on va dire. La poubelle. Poubelle à pédale, 4,99 €. Et il me semble que c'est terminé pour ce petit haul. Voilà. Bon, bah, je suis contente de vous avoir retrouvé dans ce format. Hein. C'est vrai que les hauls, bah, forcément, avec la, le confinement et tout ça, c'était pas évident. Et j'ai quand même eu du temps. Ça fait plus d'un mois, ça fait un mois et demi qu'on est déconfiné. J'ai pas fait beaucoup d'achats. Je vais reprendre petit à petit, mais je ne vais pas non plus acheter pour acheter. Là, j'avais besoin de certaines choses. Je trouvais que ça tombait très bien. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que j'en refasse un petit peu plus souvent. Quant à moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve bien évidemment demain pour la suite d'aventure. Je pense que ça va être à travers un vlog. Voilà, c'est pas fait encore, bah, je vous invite à vous abonner et puis à mettre le petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous embrasse. Salut !